Cette vidéo vous explique, étape par étape, comment vous connecter à distance avec votre interlocuteur chez Harmonie Mutuelle. Avancez à votre rythme. Vous pouvez mettre la vidéo en pause en cliquant dessus. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet sur votre poste ou votre smartphone. Votre ordinateur doit être doté d'une webcam. Tout d'abord, vous allez entrer en contact téléphonique avec Harmonie Mutuelle. Votre interlocuteur vous enverra une invitation à une visioconférence par email ou SMS, selon vos préférences. Cette invitation contiendra un lien URL sous la forme d'une suite de lettres et de chiffres. C'est ce lien qui permet de se connecter à la visioconférence à laquelle vous êtes invité. Si vous recevez un email, cliquez sur le bouton gauche de votre souris sur le lien URL contenu dans le mail. Votre navigateur interne s'ouvrira automatiquement sur le site désiré. Si vous recevez un SMS, vous devez ouvrir le navigateur Internet de votre ordinateur avec un clic gauche de votre souris. Ensuite, il faut cliquer dans la barre du moteur de recherche. Et après, à l'aide de votre clavier, vous devez taper la suite de lettres et de chiffres reçus par SMS. Cliquez enfin sur la touche Entrée de votre clavier. Une autre page Internet va s'afficher. Avec votre souris, faites un clic gauche sur le pavé où il est écrit « Continuer sur ce navigateur ». Une autre page va alors peut-être s'afficher pour vous proposer d'utiliser votre microphone. Cliquez sur « Oui » car cela permettra au formateur de vous entendre. Sur la nouvelle page qui s'affiche, faites un clic gauche dans la case où il est écrit « Entrer un nom ». Ensuite, cliquez sur le bouton violet « Rejoindre maintenant ». Vous n'avez plus qu'à attendre que votre interlocuteur de l'autre côté de l'écran lance la visioconférence de son côté. Pour entendre votre interlocuteur parler, assurez-vous toutefois d'avoir allumé vos haut-parleurs et que le volume de votre sortie son est assez haut. Pour cela, vous pouvez cliquer sur ce petit symbole en bas à droite de votre écran, puis d'augmenter le niveau de son à l'aide du curseur qui s'affiche et de votre souris. Ça y est, vous êtes fin prêt pour votre visioconférence. Quand la visioconférence sera terminée, il vous suffira pour la quitter de raccrocher en cliquant sur le combiné rouge.